Nouvelle séance d'écriture. Alors, attention, premier mot. On regarde bien. La nouvelle. La nouvelle. Alors, attention, une lettre ronde. Une lettre ronde ici. Deux difficultés. La tâche du O avec le U, la tâche du V avec le E. Attention, c'est parti. Ah, attention, nouvelle. N, je lâche mon crayon. Je reste bien en haut pour faire le U. Attention. Le V. Attention, le V. Voilà, je reste ici et je remonte. Et je remonte. Oh yeah, c'est pas bien du tout avec la souris, c'est pas terrible. Hein. Donc, on va revenir un petit peu ici hein, pour bien montrer. Donc, le V. Alors, je vais essayer de faire le mieux que je peux. Hein. Là, voilà, je monte ici. Allez, le E et j'enchaîne. Un L, deux L et le E. Et là, je peux lâcher mon crayon. J'ai encore la place pour écrire encore une fois. Deuxième mot, une cachette. On a une, deux, trois lettres rondes. Hein. Attention, le T, il ne monte que de deux. Allez, c'est parti. Et là, je lâche mon crayon. Cachette, première lettre ronde. Le A, deuxième lettre ronde. Je lâche mon crayon. Et le C, deuxième lettre ronde. Et maintenant, jusqu'au bout, je lâche pas mon crayon. Le E, le T et le E. Et je lâche mon crayon. Je termine en mettant les deux barres du T. Vous avez vu, le E là est pas terrible, hein? Je le répète, les enfants, c'est parce que je travaille à la souris, c'est difficile. Vous allez faire beaucoup mieux sur vos cahiers. Je compte sur vous. Et on a la place hein, pour éventuellement faire une deuxième fois en fonction de la grosseur de l'écriture. Allez, troisième mot, la maîtresse. Une lettre ronde, deux lettres rondes. Particularité, oh, il n'y a rien de bien difficile. Hein, il faudra mettre ce petit chapeau, hein, l'accent. Circonflexe sur le i à la fin. Allez, attention. La seule difficulté, c'est que c'est un long mot. Le L. Allez, je monte de 3, je lâche mon crayon. Le A. Je tourne. Allez, je fais. Allez, attention, maîtresse. 1, 2, 3 ponts. Je lâche mon crayon. Allez, lettre ronde. Allez, et maintenant, jusqu'à la fin, je ne lâche plus mon crayon. Je reste bien là-dessus. Et voilà, et je termine en mettant la barre du T et l'accent circonflexe. Dernier mot, ben il n'y a pas de difficulté majeure. Il faudra lâcher le crayon pour faire ici la lettre ronde. Ici, quand on fait le P, il faudra lâcher. Allez. Lettre ronde, j'lâche mon crayon. Et je lâche mon crayon et je mets mon pied. Voilà. Bon, là, j'ai vraiment eu du mal avec la souris, mais chez vous, ça sera beaucoup mieux. Je compte sur vous, les enfants. Alors, pour les parents, hein, soyez bien vigilants. Montrez bien la vidéo. Rappelez bien l'enfant, hein, où est-ce qu'il doit lever le crayon avant que chaque lettre ronde, qu'il regarde où sont les lettres rondes. Faites attention quand il va faire les lettres rondes. Hein. On tourne dans le sens opposé des aiguilles. Donc, c'est-à-dire. Je pars du haut et je tourne en allant sur la gauche. Donc, voilà, l'intérêt, hein, c'est vraiment, toutes ces petites méthodes, c'est vraiment apprendre à écrire de manière fluide, hein, c'est pour pouvoir écrire rapidement et correctement. Je reste toujours à votre disposition pour répondre à vos questions.